Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui comme prévu. Je vous avais parlé de ma commande Scrap Didi. Donc je vais vous montrer tout ça. Je l'ai reçu tout à l'heure. J'ai déjà enlevé du carton parce que mon carton est trempé. Il pleut dehors. Donc c'est génial. Alors pour Scrap Didi, donc Amandine m'a mis une petite carte avec les coordonnées de la boutique, mail, etc. Voilà pour la commande. C'est emballé dans du papier de soie. Alors j'ai pris des petites fleurs qui étaient dans la rubrique déstockage et soldes, je crois. Donc c'était 1 euro au lieu de 2,10 € et elles sont comme ça. Elles sont trop jolies. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai pris un tampon à 1,60 €. C'est celui-ci. C'est tampon de la collection Douceur Bohémienne. C'est la collection qui est sortie là récemment. Franchement, super d'ailleurs. Super la collection. Donc voilà, c'est en caoutchouc non monté, le tampon. Ensuite, j'ai pris un dice feuille. J'ai pris comme toi, Hélène, je te l'avais dit. Il est trop beau. J'en ai pas beaucoup des feuilles et j'adore les feuilles. Donc voilà, c'était 2,10 €. On va tester tout ça. Ensuite, j'ai pris, pareil, dans la rubrique des stockages, il y avait ceci. Des embellissements résine, je pense. Donc voilà, c'était 1,20 € au lieu de 2,80 €. Ils sont trop jolis. J'adore ce genre d'embellissement. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Je vais vous montrer les encres. Depuis le temps que j'en voulais. Les Distress. Voilà. J'ai pris la couleur antique. Là. Je vous le dis en français parce que. Voilà. Pistachio. J'ai pris la couleur. Et là. La couleur vintage photo. Voilà. Donc j'ai hâte de les essayer. Franchement, je vais les essayer tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était 5,90 €. Et franchement, c'est des grands formats. Ils sont. Je vais juste l'ouvrir. On en ouvrira ensemble. Voilà. Non, franchement génial. Je vais essayer ça tout à l'heure. Ensuite j'ai pris l'encre comme ça dorée. Parce que en fait j'avais acheté déjà de l'encre couleur argent. Chez Aladdin. Non, c'était celle-ci. Celle-ci, elle est géniale. Je ne l'avais pas prise en doré et j'ai regretté. Et en fait, j'étais tombée sur une encre dorée chez Sostrengren. Celle-ci, j'ai payé ça 1,50 €, je crois. Mais franchement, il n'y a rien. Ça fait rien du tout. Ça se voit pas sur le papier. Je vais vous montrer vite fait si j'ai un tampon sous la main. Franchement, je suis déçue. Et pourtant, leur produit, j'ai jamais eu de soucis. Mais l'encre, pas top du tout. Et je sais que Hélène, toi tu l'as prise et apparemment elle est bien. Mais là, celle-ci, franchement, on voit rien du tout. J'ai tamponné là et franchement, d'ailleurs, je vais vous montrer l'autre. Vous allez voir la différence. C'était 2,70 €. Franchement, c'est pas cher. Déjà, la mousse, elle n'a rien à voir. Elle est ferme, l'autre, elle est toute... ça fait genre tampon... tampon bas de gamme, quoi. Ouais, effectivement, ça n'a rien à voir. Là, on le voit, le tampon. Hein. Franchement, rien à voir du tout. L'autre à côté, on ne le voit pas. Il est là, mais on voit rien. Donc, franchement, génial. Je suis contente. Voili, voilou pour ça. Ensuite, j'ai pris...
J'ai pris un pochoir triangle. J'avais déjà commandé la dernière fois, j'avais pris celui-là. Qui est trop beau. Je m'en sers tout le temps. Et là, je voulais aussi prendre celui avec les notes de musique, mais il n'y était plus. Donc, c'est pas grave, je le reprendrai la prochaine fois. Mais ça, je sais que je vais pas mal m'en servir. Avec les triangles, c'est passe-partout. Donc, je sais que je vais beaucoup m'en servir dans le mixed media. Franchement, même je pense dans les albums et tout, ça va être super. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des petits points métalliques. Désolée pour le bruit du sachet. Alors, les coins métalliques, c'était, si je dis pas de bêtises, 25 centimes pièce. Ceux-là, j'en ai pris 4. Ils sont dorés et ils sont grands d'ailleurs. C'est génial parce que j'ai en projet un big album. Et ce sera génial. Et là, en fait, ils se resserrent. Voilà, je vous montre comme ça. Donc, ça sera pour un gros album. Les miens sont vraiment beaucoup plus petits que ça. Et j'ai pris ceux-là. Alors ça, j'en ai pris que 2 de chaque. Ce sera juste pour mettre en couverture. Ils sont plats. Ils sont comme ça. Pareil, ils sont grands pour un gros album. Franchement, nickel. Donc j'ai pris 2 dorés. De toute façon, ça, c'est sûr, je recommanderai par contre. Ça, la pièce. Donc vraiment, vous prenez la quantité que vous voulez, c'est génial. Et j'ai pris en argent. Et je les voulais en bronze, mais il n'y en avait plus. Pareil, je les prendrai la prochaine fois, c'est pas un souci. Franchement, ils sont trop beaux, quoi. J'adore. Et j'ai pris ça, un embellissement cadre, couleur ivoire, je crois. Oui, c'est ça doit être ivoire. Il y avait d'autres couleurs. De toute façon, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien de la boutique, si vous voulez aller voir. Et c'était 1 euro pièce. Donc, franchement, il est chouette. On voit bien les détails et tout. Nickel. Donc voilà pour ça. Je remets tout dans le sachet. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la Takiglu en stylo. Je vais vous montrer. Parce que moi j'utilise ce type de colle. Le problème c'est que quand j'ai des découpes super fines, et ben c'est une galère pour mettre la colle. Et là l'embout, il est fin. Et ça sera super pratique. Rien que pour mes découpes, franchement, ça sera top. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est une planche d'étiquettes et de petits mots. C'est pareil, c'est la collection qu'Amandine a sortie, Douceur Bohémienne. Franchement, c'est trop joli, les couleurs, elles sont trop belles. Il y a plein de mots, c'était 2 euros la planche. Il y a de quoi faire et franchement, génial. Je vais faire un bel album dans ces teintes-là et franchement, ça sera super. Donc voilà, et merci Amandine, j'ai vu, j'avais un petit cadeau, un petit chipboard. Avec des petits cupidons, trop mignon. T'es trop mignonne, franchement merci. C'est chou. Donc voilà pour cette commande. Je vous ferai sûrement une petite réalisation avec le matériel que j'ai commandé et que j'avais déjà commandé. Et je vous présenterai ça en vidéo pour vous montrer un peu tous les produits. Et bien ça va être tout pour cette vidéo là. Je vous retrouve, je pense, peut-être demain ou dans le week-end. Il faut que je bosse sur mes projets, que j'avance et je vous referai des petites vidéos avec ce que j'ai fait. Voili voilou. Et bien je vous dis bonne fin de journée et à très vite.